Alors sur Monsieur Navalny, nous sommes évidemment extrêmement préoccupés et attristés par la situation d'Alexandre Navalny, et nous avons appris ce matin ce qui lui était arrivé. Et je veux ici dire que nous lui apportons tout notre soutien à lui, à sa famille, à ses proches, pour un prompt rétablissement, et nous sommes à leur côté. Les nouvelles que nous avons à cette heure sont extrêmement inquiétantes. Nous continuons de suivre de très près la situation. Nous en avons discuté avec Madame la Chancelière. Nous sommes évidemment prêts à apporter toute l'assistance nécessaire à Alexandre Navalny, à ses proches, sur le plan sanitaire, sur le plan de l'asile, de la protection, c'est évident. Et là aussi, nous en avons longuement parlé. Bien sûr, là aussi, toute la clarté devra être faite sur les circonstances qui ont conduit à cette situation. Et nous serons extrêmement vigilants sur les suites et les enquêtes qui seront menées. J'espère surtout qu'il pourra être sauvé, et nous apporterons tout le soutien qui sera demandé pour...